Good afternoon, everybody. Bienvenue. Naila Kabir and I have just spent the last couple of days at a conference here on women's economic empowerment. And while we talked about various barriers as well as opportunities, we certainly didn't talk about the extreme form. Bon après-midi, tout le monde. Nous allons commencer. Il y a peut-être des retardataires qui vont venir nous retrouver. Naila et moi, nous venons d'assister à une conférence depuis deux jours sur l'habilitation économique des femmes. Nous avions échangé des notes et la discussion était excellente à cette conférence, alors que nous avons parlé de certains des obstacles à l'habilitation économique des femmes et certaines des occasions. À cette conférence-là, nous n'avons pas parlé des formes extrêmes de discrimination entre hommes et femmes dont nous allons parler et ces formes de discrimination et des rapports hommes-femmes défavorables mènent à des niveaux de mortalité plus élevés chez les femmes que les hommes. Amartya Sen a décrit ce phénomène-là de femmes disparues, manquantes, ce qui signifie que le nombre de femmes qu'il y aurait eu dans une population si les chances de survie des femmes avaient été semblables à celles des hommes. Et ce phénomène de femmes qui manquantes, disparues, est une des catastrophes humaines les moins connues de par le monde. C'est une statistique incroyable que le nombre de femmes qui manquent dans les années 90 était plus élevé que les décès attribués à toutes les famines du 20e siècle. Et cela étant dit, il y a des signes d'amélioration, alors que les chiffres à l'échelle globale de femmes disparues continuent d'augmenter en fonction de l'augmentation de la population. Il y a eu une chute du pourcentage de femmes manquantes. Des recherches appuyées par le CRDI a bien révélé que les provinces donc dans l'Asie du Sud-Est est inégale. En Inde, la situation est pire depuis la fin de la décennie. Du 21e siècle, mais au Bangladesh, la situation semble être meilleure, où il y a eu une amélioration graduelle des chances de survie des filles par rapport aux garçons. Naila nous parlera aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre ce qui sous-tend certaines de ces tendances. Laissez-moi la présenter. Naila Kabir est professeure en études du développement à l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Let me start by talking about the whole issue of sex preference. This has been a long time. J'aimerais d'abord vous parler de toute la question de préférence pour les garçons ou pour les filles. Ce n'est pas limité à l'Asie du Sud-Est, et j'aimerais relier à certaines des publications qui parlent de la patriarchie typique à partir de l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, les plaines du nord de l'Inde et du Bangladesh. Ça comprend aussi l'Asie de l'Est, la Chine, la Corée et le Taïwan. Et cette patriarchie qui est utilisée se caractérise par certains volets qui ont comme la structure familiale. C'est l'homme senior qui prend les décisions, qui contrôle les hommes plus jeunes et les femmes de la famille. L'héritage, c'est la descendance et patrie linéale. On a résidence patrilocale. Une fois que les femmes se marient, elles vont habiter chez leur mari, la maison de leur mari. Et dans plusieurs cas, dans plusieurs de ces sociétés, il y a la séclusion des femmes, que ce soit le Purda, le Gungat, etc. Et cette patriarchie typique tient compte de plusieurs religions, englobe ces religions, et n'est pas rattachée à une religion en particulier. Vous avez l'islam, vous avez le Confucius et vous avez la christianité. En partie à cause de la façon dont les structures sont établies chez les familles, il y a aussi préférence forte pour les garçons. Lorsqu'on parle de la géographie du sexe, on peut parler de la géographie de préférence pour les garçons. Et ce sont les sociétés qui sont responsables des femmes qui manquent, des femmes disparues dont on parle. Un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes qui sont décédés dans cette population. Cependant, il y a eu des améliorations en ce qui concerne le rapport garçon-fille dans la plupart des pays du monde, mais il y a également eu la situation
également détérioré dans certaines parties du monde, l'Inde, la Chine, la Corée du Sud. Même si la Corée du Sud augmente, ça donne lieu à l'espoir. Mais il y a également des pays qu'on ne s'attendait pas à ce que cela se produise. Et pour moi, c'est le Vietnam maintenant. Et j'ai toujours cru que le Vietnam était un modèle en ce qui concerne de femmes, statut égalitaire pour les femmes. Et trois pays de race blanche, Azerbaïdjan, Arménie et la Géorgie, ce qui est surprenant. Et de plus, dans ces sociétés, ce phénomène de femmes qui manque est remplacé par le phénomène de filles qui manque. L'espérance de vie pour les filles, les femmes augmente, mais parmi les enfants de 0 à 5, 6 ans, la mortalité excessive se poursuit. Il y a maintenant cette pratique d'avortement sélectif des fœtus de sexe féminin, possible grâce à la technologie, dans un contexte où la fécondité chute dans ces pays. Ces avortements sélectifs des fœtus de race féminin est une façon dont les parents peuvent limiter le taux de fécondité, mais arrivent à la composition garçon-fille qu'ils souhaitent. Le rapport de l'Inde, qui a été effectué par plusieurs collègues et axé sur les 5 pires États en Inde, le Punjab, Haryana, etc. Nous avons vu que ces rapports à la naissance semblent suggérer que la situation s'empire de 1998 à 2005. Mais qui est plus, nous avons constaté que la discrimination persiste toujours chez les enfants qui survivent, de sorte que la mortalité chez les femmes est plus élevée dans la catégorie de 1 à 4 ans que dans la catégorie de 0 à 1 pour les filles. Non seulement est-ce qu'on a des formes de discrimination qui existent comme dans le passé, la négligence, etc., mais là, on a une nouvelle forme de discrimination et c'est l'avortement sélectif des fœtus de sexe féminin. Alors que c'était concentré dans les pays du nord-ouest de l'Inde, ça se répand maintenant ailleurs, en Inde apparemment, et dans le recensement de 2011, on s'est rendu compte que même dans autre partie de l'Inde, alors que c'était concentré dans les castes supérieures du nord de l'Inde, maintenant la situation se répand et à d'autres castes et groupes sociaux. Le rapport India nous dit que la détérioration de rapport garçon-fille ne peut être simplement expliquée par rapport à la continuité avec le passé. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une faiblesse de préférence pour les garçons si on croit. Il y a eu beaucoup de discussions au sujet des hommes qui ne se trouvaient pas d'emploi, qui avaient de mauvaises habitudes, des références à des filles, des garçons qui ne valaient rien. Mais la plupart des familles, lors de cette recherche, ont exprimé une préférence pour soit un fils ou deux fils, ou dans certains sites, deux fils et une fille. Mais ils n'ont exprimé aucune préférence pour ou avec seulement des filles. Le rapport India nous dit que l'explication, on ne peut le trouver dans un renforcement de préférence pour les garçons, mais plutôt on parle de renforcement d'aversion pour les filles. Et c'est une expression, ce sont deux démographes, Yeran Barawa, qui utilisent cette expression de certains changements en Inde qui sont en sorte que le coût d'avoir des filles est perçu comme étant accru. Bien sûr, il y a les coûts de la dot qui augmentent et ça se répand des castes supérieures aux autres castes. Ensuite, il y a cette pression de diversifier, non pas l'agriculture, et de diversifier, alors il y a une valeur accrue de l'éducation, enfin de trouver un emploi. Mais des investissements accrus dans les filles peuvent aussi aider, alors que ça peut les aider à obtenir donc un bon parti dans un mariage, un marché pour les mariages de différentes classes. Ce sont les filles, les fils qui s'occuperont des parents lors de leur vieillage. Cet investissement chez les garçons dont on se fie pour la sécurité lors de leur vieillesse. Et maintenant, les constatations pour le Bangladesh. Voilà, c'est l'arrière-plan de notre recherche et nous nous sommes rendus compte qu'on pouvait expliquer l'histoire de Bangladesh sans référence à l'Inde, puisque dans le rapport sur l'Inde, nous avons retrouvé ces constatations, nous avons retrouvé chez Bangladesh. Mais la situation au Bangladesh, au niveau national, recensement et une
des études démographiques de longue date, c'est que les différences entre la mortalité garçon-fille diminuent. Et le ratio filles-garçons semble à la naissance semble être le même qu'ailleurs. Donc, non seulement est-ce qu'on retrouve des avortements sélectifs, mais il y a la discrimination contre les filles chute et la population est maintenant équilibrée. Le rapport garçon-fille, la technologie ultrason a été introduite beaucoup plus tard au Bangladesh qu'en Inde et ça peut expliquer pourquoi. Mais même maintenant, il y a très peu de preuves que c'est utilisé pour déterminer le sexe du fœtus. De fait, nous avons fait une étude bien détaillée où il y a des gens qui nous ont dit qu'il y a une interdiction du gouvernement. On ne peut pas vous dire quel est le sexe du fœtus, mais il n'y a pas de telle interdiction du gouvernement. Mais cependant, il semble y avoir, au moins dans ce village-là, cette croyance que le médecin n'avait pas le droit de révéler le sexe du fœtus. Il y a aussi des preuves, donc on préfère moins les garçons, non seulement parce que leur comportement change, mais les attitudes également. Alors qu'on puisse toujours se fier à l'attitude, étant donné la rectitude politique, etc., pour nous révéler la vérité lorsque comportement et attitude se conforment, alors on peut s'y fier. De fait, j'ai fait mon doctorat dans un village du Bangladesh en 1979 et j'ai fait la collecte de données en utilisant le test course qui était populaire. C'est une échelle, plutôt que de poser des questions directes, est-ce que vous voulez un garçon ou une fille? On demande aux gens une série de questions dans le but d'obtenir un aperçu plus nuancé de préférence pour les garçons ou filles. Et je suis retournée à ce village. Et bien sûr, on n'a pas interviewé la même personne. C'était impossible. Nous avons interviewé bon nombre de femmes. Et voilà un peu les résultats du sondage. 1979, nous avons séparé en fonction de l'âge. De 1 à 3, c'est une faiblesse pour les garçons faibles. 4, c'est moyen. 5 à 7, c'est préférence pour les garçons très fortes. Et très brièvement, je vous dirais que si nous examinons forte préférence pour les garçons de 5 à 7, nous voyons que c'est passé de 44 % à 53 % et 22 et 20 en 2007. Et j'ai ventilé en fonction des terres. Les parents expriment beaucoup moins de préférence, beaucoup moins forte pour les garçons. Et il y a certaines constatations qui nous portent à croire qu'on semble préférer les filles dans certains cas. Mais ce que nous avons fait, partie d'un programme de recherche important qui s'appelait des moyens d'habiliter les femmes. On a utilisé le financement de la CRDI. Et nous avons ajouté une question à ce sondage qui était une question bien claire. Si vous pouviez avoir seulement un enfant, qu'est-ce que vous aimeriez, un garçon ou une fille, ou ça vous est égal? Et les réponses variaient. 8 districts, 500 femmes, 5000 femmes, 8 districts. 64 % des femmes à Chandina, très religieux conservateur, ont exprimé préférence pour un garçon et seulement 22 % à Kurigram, qui est extrêmement pauvre. Mais ce changement n'était pas tellement de préférence pour un garçon ou une fille parce qu'il y a peu de pourcentage qui ont exprimé préférence pour les filles, mais c'était plutôt l'indifférence quant au sexe de l'enfant. Nous avons fait une analyse régressive logistique pour deux cohortes de femmes de notre sondage, les femmes de 15 à 29 ans et celles âgées de 30 ans et plus. Je vous rapporte les constatations du sondage pour la cohorte des femmes plus âgées, préférence pour les garçons, plus susceptibles de se retrouver chez les veuves, une catégorie qui ont besoin de fils pour les protéger, des femmes qui n'ont aucune éducation par rapport aux femmes qui ont plutôt une éducation primaire, éducation secondaire. Les effets étaient plus faibles à cette cohorte puisqu'il n'y a pas tellement d'entre eux qui avaient l'éducation secondaire. Préférence pour les garçons plus susceptibles d'être exprimés par les hindous plutôt que les musulmans et les femmes de familles plus pauvres par rapport aux femmes de ménage plus riches. Ce qui est intéressant, c'est que le travail rémunéré des femmes n'avait pas tellement d'impact sur la préférence pour un sexe ou l'autre entre les femmes qui travaillaient et celles qui ne travaillaient pas. Cependant, les femmes qui croyaient que leur travail était apprécié par leur famille étaient moins susceptibles d'exprimer une préférence pour les garçons. Et les femmes qui ont dit que leur travail était apprécié par leur famille étaient principalement des femmes qui faisaient du travail officiel ou informel à l'extérieur. Et ce n'était pas tout simplement le fait du travail rémunéré, mais c'était
de fait du travail rémunéré qui était apprécié par la famille. Il s'agissait de déterminer quel type de travail rémunéré. Et l'endroit est un facteur qui était important. C'est ce que j'essayais de vous communiquer, la recherche. Et l'endroit est une variable. Et on tient compte de toutes les caractéristiques du ménage. Mais ici, ça m'intrigue de savoir de Kurigram et Chandina. Et pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence quant aux préférences qui ont été exprimées? Je pense qu'à un certain stade, il faut ventiler l'endroit et voir quel impact ça peut avoir. On a parlé maintenant de la cohorte des plus jeunes. Les femmes qui n'avaient jamais été mariées étaient moins susceptibles d'exprimer une préférence pour les garçons, ainsi que les femmes avec une éducation secondaire, éducation primaire. Maintenant, ce n'est plus important parce que la plupart de ces femmes-là ont une éducation primaire. C'était les femmes qui avaient une éducation secondaire qui étaient plus susceptibles d'exprimer une préférence, ainsi que les maris avec une éducation secondaire. Les femmes qui étaient mariées à un homme qui avait une éducation supplémentaire étaient plus susceptibles d'être indifférents au sexe d'un enfant. Le statut de la recherche était moins, n'était pas important chez les plus jeunes. La profession, mais encore une fois, c'était les femmes dont le travail était apprécié par la famille qui ont exprimé cette indifférence quant au sexe de l'enfant. Encore une fois, les femmes musulmanes étaient moins susceptibles d'exprimer une préférence pour les garçons que les femmes hindoues, mais chez les plus jeunes, les femmes musulmanes qui portaient le burqa et le hijab lorsqu'elles sortaient ont exprimé une préférence pour les garçons plus forte que celles qu'elles ne portaient pas. La religion conservatrice ont exprimé une préférence pour les garçons et l'endroit continuait d'être important. Ce n'est pas que la préférence pour les garçons soit disparue du Bangladesh, ça existe, mais moins fort qu'avant. Nous avons fait des entrevues qualitatives. Je suis retournée à mon village, nous avons fait des entrevues détaillées, mais des entrevues à trois autres endroits également, afin de mieux comprendre ce que nous révéleraient les données qualitatives et quels sont les facteurs qui dictent alors l'existence de préférence des garçons. Ce sont les anciennes attitudes. On veut que des garçons s'occupent de foyer. Tout le monde veut un garçon pour l'avenir qui s'occupe de eux. Les filles ne peuvent s'occuper du foyer, du ménage, mais il y a combien de filles qui peuvent s'occuper de leurs parents lorsqu'elles se marient? Elles vont habiter ailleurs. Et là, c'est une femme qui arrose l'arbre du voisin. Elle ne pourra plus venir chez moi, habiter avec moi. Elle va aller vivre chez son mari. Les femmes se marient, vont ailleurs. Il n'y a personne qui va s'occuper de nous. Les fils resteront toujours à nos côtés. Et il y a une autre citation. Si vous avez une fille, vous devez l'instruire et ensuite leur donner une dot. La dot fait partie de la validation des pratiques maritales depuis 30-40 ans. Avant ça, ça n'existait pas. Et je sais qu'il y a une femme assez comique qui a dit, elle a dit, non, lorsque je me suis mariée, il n'y avait pas de dot. Les dots ont commencé 6 mois après mon mariage. Mais vous savez, nous avons toujours une génération de femmes pour lesquelles la donne n'était pas nécessaire. Il fallait donner énormément d'argent. C'était difficile pour les parents. Mon mari travaille, je travaille. Il faut donner beaucoup d'argent pour les filles. Et c'est une perte d'argent. Alors, maintenant, les femmes qui n'ont pas exprimé ces points de vue, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils préféraient des filles. Mais plutôt, avant cela, s'ils avaient une fille, ils étaient désolés. Ma femme avait une fille, elle a essayé de l'étouffer avec sa main. Mais cette situation se produisait. Ils aimaient ça, avoir des garçons, mais maintenant la situation a changé. Non, elle dit, je ne veux pas d'enfants, je ne veux plus d'enfants, mais le peu de revenus que gagne mon mari, si je ne peux élever une fille, bien l'élever à ce moment-là, pourquoi avoir plus d'enfants? Ce n'est pas une question d'avoir plus des enfants, c'est une question de les élever. Et cette question de les élever, au Bengali, on appelle ça Manishkara, c'est-à-dire qu'elles deviennent des personnes, elles deviennent des êtres humains. Et on a beaucoup entendu cela, il faut instruire ses filles et ses garçons. Ensuite, il y a une autre femme de Chandina, le district le plus pauvre et conservateur. Pour mon premier enfant, j'étais heureux de ce qu'elle a me donné. Ce n'était pas un garçon ou une fille que je souhaitais. Je ne sais pas ce que ma fille voulait. J'aime les deux, mais maintenant, les filles, c'est mieux. Elles comprennent mieux les difficultés que vivent leurs mères. Les garçons comprennent moins bien.
Et j'aimerais vous en parler parce que combien de femmes ont des problèmes de finances, d'argent et font de leur mieux pour éduquer leurs filles. Elles ne veulent pas que leurs filles vivent la même vie qu'elles ont vécue, veulent que leurs filles aient l'éducation nécessaire pour quitter un mariage abusif, avoir un peu d'argent pour elles-mêmes et ainsi de suite. Et à maintes et maintes reprises dans les recherches que j'ai faites dans le passé, j'ai entendu cela. Lorsque j'entends ceci, ils comprennent les difficultés, les douleurs de leur femme, ils comprennent également que la mère veut leur sauver la même situation qu'elles ont vécue. Il est bien d'avoir des filles et des garçons, c'est évident, c'est bon dans les deux cas, mais si les filles étaient bien élevées, elles pourraient s'occuper de leurs parents, alors que même une fois, il y a des fils qui, une fois instruits, ne reconnaissent même plus leurs parents. C'est pourquoi il faut avoir des fils et des filles. Donc, vous pouvez voir le genre de forces qui sont en jeu ici. Et il y a une autre chose qui m'a frappée aussi presque dès la première entrevue que nous avons menée. Et ça, c'est ce que j'ai appelé assez librement la montée de la belle-fille. Bon, la belle-fille avant était une femme opprimée, maltraitée dans la maison. C'était la belle-mère qui régnait. Mais ce n'est que lorsque les filles ont commencé à avoir des enfants de leurs fils que leur statut a commencé à augmenter. Bon, mais maintenant, les choses ont changé. Les gens se marient par amour maintenant. Les maris se tournent plus vers leurs femmes et leurs enfants. Donc, il y a un nouvel aspect émotif qui est important, des familles nucléaires et les familles. Les parents se rendent compte que le contrôle qu'ils exerçaient sur leur fils n'est plus désormais garanti. C'est ce qu'on appelle en bengali maya, c'est-à-dire l'affection, la compassion que les filles semblent avoir. On a l'impression maintenant qu'en investissant dans la fille, elle pourra un jour s'occuper d'eux dans leur vieillage. Donc, il y a eu un changement dans les attentes entre vers les qui étaient sur les fils et qui est passé aux filles. On sait que les filles peuvent parfois travailler et envoyer de l'argent et aider leurs parents, parfois avec la permission de leur mari ou en sachant qu'il est au courant, mais sans le dire aux beaux-parents. Mais maintenant, quelque chose se passe et dans la grande recherche, on sait que la télé a eu beaucoup d'influence dans le changement d'attitude de ces gens. Ça leur a ouvert l'esprit. Au Bangladesh, je n'ai pas vu cela dans la recherche sur l'Inde. On parle toujours de la valeur de la femme qui a augmenté. Et je l'entends souvent. En fait, il y a des gens qui disent « Ah, les femmes dirigent le pays maintenant ». C'est vrai, mais pas très bien non plus, mais c'est vrai, elles dirigent le pays. Et ça, c'est grâce à l'éducation ou l'instruction. On sait qu'il y a moins de différence entre les garçons et les filles au niveau élémentaire et au niveau secondaire. Et c'est évident que l'éducation est une force de changement. Bien sûr, une meilleure éducation serait encore une meilleure force de changement, mais même une éducation de piètre qualité comme ce qu'on a représente une force de changement. Ensuite, l'emploi. L'emploi se manifeste de toutes sortes de façons. Même si ça n'est pas ressorti dans les données quantitatives, on sait que c'est une force puissante dans l'autonomisation de la femme. L'emploi, surtout l'emploi formel, semi-formel, par exemple travailler pour une ONG ou dans la communauté, pas nécessairement avoir l'emploi au gouvernement. Mais le travail, donc, l'emploi est offert par les programmes du gouvernement. Le travail rémunéré, surtout, se voit maintenant dans les services sociaux, chez les enseignants, des choses comme ça. La microfinance permet aussi aux femmes d'acquérir de l'autonomie, ce qui n'existait pas avant. Bon, les gouvernements aussi peuvent offrir de l'emploi à plusieurs femmes. Les femmes migrent. Alors, il y a toutes sortes de différentes façons de trouver du travail. Et d'après notre recherche, il y a une femme qui a dit « On peut toujours dire quelle est la femme qui travaille. C'est simplement dans la façon dont elle se tient. » Donc, les femmes n'ont plus à quémander tout l'argent de leur mari. Ces femmes sont maintenant financièrement plus autonomes et les maris ne prennent pas d'argent de leurs femmes. Ce ne sont pas tous des mauvais garçons qui veulent prendre l'argent de leurs femmes quand même.
Il y a un mari un jour qui m'a dit, « Ah, vous savez, ma femme a des économies secrètes. » J'ai dit, « Comment ça se fait que vous le savez si c'est secret? » Il a dit, « Non, vous savez, toutes les femmes cachent de l'argent hein, dans le pot à riz ou quelque chose comme ça. » Donc, les femmes ont un certain contrôle sur le revenu et elles sont capables d'aider leurs parents. Ainsi donc, je ne veux pas me montrer trop optimiste quand même, j'ai cette tendance, mais je pense qu'il y a eu un changement monumental dans les relations entre les hommes et les femmes au Bangladesh. Et si vous avez fait des droits sur de la recherche sur les droits reproductifs, on sait qu'il y a beaucoup moins de violences conjugales non plus dans les ménages. Nous avons besoin de plus de données là-dessus, mais moi, mes données me disent qu'à bien des endroits, ce n'est plus acceptable, ça devient moins acceptable. Et ensuite, bien sûr, l'autre changement, ce sont les valeurs et perceptions, ce dont j'ai parlé. Ici, tout le discours sur l'égalité entre les sexes, les droits des femmes, etc., etc., et s'est rendu jusqu'à la base grâce aux médias. Alors, comme vous le savez, tous les télé que l'on retrouve en milieu rural attirent au moins une dizaine de personnes, les journaux aussi. Enfin, les gens pensent que tout ce qu'il y a de bien qui survient dans le pays, c'est grâce au gouvernement. Je me souviens qu'il parlait toujours des usines gouvernementales. Bien sûr, c'est attribuable au gouvernement, mais je sais qu'au Bengali, quand on dit vêtements ou garment, il faut dire garment. Et il y a bien des personnes qui se disaient peut-être que c'était le gouvernement. Au lieu de garment, on pensait à government. Mais les médias, les gouvernements, les OGN ont transmis ces valeurs aux gens de la base, l'immigration. Alors, il y a vraiment un changement énorme. Encore une fois, un changement inégal, comme on l'a vu dans nos 8 endroits, Chandina, entre autres, les endroits les plus pauvres. Alors, pour revenir à l'Inde, nous voici ici avec deux pays où les forces du changement ne sont pas tellement différentes. Le Bangladesh est plus pauvre, mais la pauvreté diminue. Elle grandit, mais pas à un rythme spectaculaire, peut-être 4 ou 5 % par année. Alors, qu'est-ce qui explique les différences? Peut-être que c'est l'avènement de la technologie. Les échographies sont venues au Bangladesh plutôt tard. Ce n'est pas encore très perfectionné. Ce n'est pas une petite machine portative qu'on peut retrouver un peu partout. Alors, c'est peut-être simplement que la technologie n'est pas aussi prépondérante. Et je ne me sens pas toujours prête à accepter cet argument, toutefois, parce que le secteur privé distribue beaucoup cette technologie d'ultrasons. Alors, s'il y avait une demande, je suppose qu'il y en aurait eu. Les gens ne sont pas si pauvres qu'ils n'ont pas les moyens de se permettre d'accéder à cette technologie. Ils le font, mais parfois très tard dans la grossesse, 4 ou 5 mois. Et l'avortement n'est pas illégal, mais sans test de grossesse, oui. Donc, la technologie pourrait être un facteur, mais nous n'avons pas autant de technologies d'ultrasons au Bangladesh. Ensuite, ça pourrait avoir trait à l'État aussi. L'État n'est pas reconnu pour sa bonne gouvernance. En fait, au contraire, il est réputé pour une très mauvaise gouvernance. L'Inde a presque une très bonne feuille de route en démocratie. Donc, il faut tenir compte de la qualité de la gouvernance des gouvernements ici. Mais on pourrait aussi regarder la société. Il y a deux choses qui distinguent l'Inde et le Bangladesh. D'abord, la très forte présence des ONG. L'incapacité de l'État s'accompagne d'une prolifération d'ONG. Et pour le meilleur ou pour le pire, les ONG sont les porteurs de valeurs semi-laïques. Bon, ils ont besoin de l'argent des donateurs. Enfin, les ONG, finalement, deviennent une force centrale de changement chez les sociétés très pauvres. Et ensuite, nous n'avons pas de système de caste. Nous avons des classes, mais ce n'est
pas comme au Pakistan et ce n'est pas la stratification des castes du Bangladesh. Et il y a un fermier pauvre qui a dit qu'aujourd'hui, je tisse et demain, je deviendrai un sheikh et après-demain, si Dieu le veut, je deviendrai un saïd. Ce qui veut dire que mon statut augmentera tout le temps. Alors, c'est ainsi que les gens perçoivent la mobilité désormais. Alors, peut-être que les idées voyagent plus vite car elles n'ont plus à traverser les obstacles financiers. C'est une autre chose. Et puis, il y a les valeurs religieuses. Il y a différents démographes, Ayer et Barak, qui ont publié un document pour la Banque mondiale qui se concentre beaucoup sur les valeurs religieuses, hindoues et musulmanes. Mais je pense que les valeurs religieuses ne sont pas immuables. Quand la religion dit... Le changement survient de toutes sortes de façons. Quand on s'accroche à nos valeurs, et si ce n'est plus logique de s'accrocher à nos valeurs, si ça ne va plus avec les forces de la modernité, ça ne paraît pas très satisfaisant comme explication. Je pense qu'il faut regarder les pratiques conjugales associées aux différentes communautés. Et ici, on le retrouve beaucoup dans le rapport sur l'Inde. Et ça m'a éveillée aux différences, aux pratiques conjugales entre l'Inde et le Bangladesh. En Inde, bon, je ne veux pas me tromper, il y a des castes. Il faut se marier au sein de sa caste. Donc, il faut marier au sein de sa caste, mais les femmes se marient à des statuts plus élevés. Et la dot reconnaît que la femme change de statut. Il y a aussi des femmes qui quittent leur village ou qui quittent leur famille. Donc, il y a un système très complexe, une liste d'exigences considérables pour que les femmes aient un bon mariage. Et la dot fait très partie des pratiques du mariage. Et ils deviennent de plus en plus difficiles et se répandent maintenant dans toutes les castes. Au Bangladesh, on peut se marier à l'extérieur du village, de son village, mais il n'est pas interdit de marier une autre caste ou il y a du recoupement comme cela et ce n'est pas une grosse affaire. Si vous voulez marier votre fille au meilleur candidat possible, au meilleur parti possible, qui a un emploi, etc., il n'y a pas de coût qui accompagne ce mariage. Alors, et la dot, c'est tout à fait récent, ça fait moins de 40 ans. Alors, j'ai l'impression que cette aversion envers les filles que l'on remarque dans la littérature indienne reflète le fardeau que représente le mariage de votre fille. Et bien sûr, tout le monde doit être marié, les hommes et les femmes, mais surtout les femmes. Alors moi, je trouve que des explications plus plausibles se trouvent peut-être dans le jeu des castes au sein de l'organisation et la façon dont réagissent certains groupes de personnes. Deux autres explications possibles. D'abord, certaines des pratiques les plus discriminatoires, sexo-spécifiques, se retrouvent chez les castes supérieures. Un anthropologue, Miller, l'a dit dans les années 90, qui parlait des endangered sex. Mais ici, on ne fait que spéculer car nous n'avons pas de données concrètes. Il y a un phénomène qui existe en Asie du Sud. On fait comme les gens qui sont plus haut placés que soi et les pratiques comme l'interdiction de certains mariages, les dots peuvent se retrouver dans certaines autres castes qui visent une mobilité ascendante. Et ma dernière explication possible, plutôt étrange, mais enfin, quand on parle de modèle patriarcal classique, au Bangladesh, on n'a jamais vraiment incorporé cela très bien comparativement à d'autres pays.
Il y a une grosse différence, par exemple, dans l'islam pratiqué au Bangladesh et en islam. Il y a beaucoup plus d'ouverture au changement au Bangladesh. Et c'est peut-être justement parce que cela chevauche la ligne entre le modèle patriarcal classique et ses relations très inégales et le système plus égalitaire du sud-est asiatique, à commencer par la Birmanie, dont on ne connaît pas grand-chose. Alors, en fin de compte, leçon de politique. Eh bien, oui, ça a été très difficile. On a fait venir des gens du Vietnam, de la Chine, de l'Inde et du Bangladesh à un atelier. Et il est apparu clairement que ces petites interventions étapistes ne vont pas fonctionner. Le gouvernement indien ou l'un des États donne un certain montant d'argent aux parents pour les indemniser de leurs filles, mais ça ne va pas fonctionner. Il faut un changement d'attitude énorme. Comment on commence à voir au Bangladesh? Alors, je pense que la réponse se trouve dans le pouvoir des institutions qui façonnent le discours public. Il faut arriver à maîtriser le pouvoir de l'éducation, des médias, de la société civile et du gouvernement. Et tout le monde doit être au diapason. Tout le monde doit vouloir transmettre le même message. On ne peut pas être un grand pouvoir du monde au 21e siècle avec cette attitude. Alors, je pense que la plaidoirie, les médias, la télévision, d'ailleurs, on sait que la télévision, la câblodistribution, et aidera à promouvoir les meilleurs emplois pour les femmes, et ce, au niveau les plus élevés, pas seulement pour les plus pauvres, mais les modèles pour les femmes sont les femmes dans l'élite et la classe moyenne. Alors, de plus en plus, les femmes cherchent à obtenir des emplois intéressants, ce qui veut dire que les filles, les femmes, représentent votre richesse. Élargir les dispositions de sécurité sociale, peut-être, pension de vieillesse, assurance, enfin, on sait que pour bien des gens, on l'entend dans les entrevues, les fils sont encore la meilleure garantie qu'on s'occuperait de vous dans votre vieillesse. Mais je pense aussi que les gouvernements devraient devenir les plus grands défenseurs de l'égalité entre les sexes. Je ne sais pas s'il y a des Indiens ici, mais quand les Indiens sont venus à notre atelier, ils se disaient que le gouvernement pouvait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et je pense qu'il y a encore des hauts placés au gouvernement qui ne comprennent pas encore qu'il y a un problème. Merci. Quelle présentation intéressante. Je pense que vous nous avez beaucoup aidé à comprendre la cause de ces femmes disparues et vous nous avez ainsi expliqué les différences entre les familles, les emplacements. Et il est bien de penser aussi aux répercussions des politiques à long terme, surtout que les donateurs pensent maintenant à beaucoup plus court terme et ce n'est pas du tout le changement dont vous nous parlez. Alors, on va passer à la période de questions, si ça vous convient. On va prendre deux ou trois questions du coup et on continuera ensuite la discussion. Il y a un micro là-bas et un autre ici. Alors, peut-être que vous pouvez vous mettre en ligne au micro pour que ça aille plus rapidement. On commence ici. J'ai une remarque avant de poser ma question. Est-ce que vous pouvez vous identifier? Je m'appelle Kabir Nyogi. Et je travaille pour l'industrie Canada. Mais ma remarque, c'est une remarque tout à fait personnelle. Et je viens du même coin du monde que vous. Professeur Kabil, en Chine, vous avez aussi ce problème. Et là, il n'y a pas les facteurs religieux qui existent en Inde. Et je ne sais pas s'ils ont le problème de dot ou non, mais c'est ma remarque. Les deux pays ont une chose en commun. La question est la suivante. Est-ce que l'analyse est suffisamment détaillée pour pouvoir comparer les résultats du Bangladesh avec deux États? Je viens de Khartoum
C'était fascinant, votre présentation. Je viens de passer 4 ans à Trinidad, qui est à 45% d'eau. Trinidadien, il y a une chose intéressante là-bas, c'est qu'on dit que lors de nos voyages, les gens, lorsqu'ils sont arrivés, faisaient partie d'une caste plus élevée, un manque disproportionné de Singhs et de Maharishi et de Brahmins. La proportion est disproportionnée par rapport à ce qu'on s'attendait lorsque les gens vont obtenir des postes de travailleurs à servitude. Et c'est intéressant de voir dans les années 1800, lorsqu'ils y étaient, non seulement est-ce qu'il y avait ce changement de pourcentage de gens qui se percevaient comme il y avait son législation, mais on voulait aussi contrôler les femmes, que les femmes se marient très tôt, et il y avait toute de pression exercée. Et ça cadre bien votre argument, où on veut faire partie d'une caste plus élevée, se comporter de la sorte. Il y a une chose qui a modifié cela, c'est qu'au début des années 1900, les missionnaires du Canada de la Nouvelle-Écosse, de fait, sont arrivés, ont établi des écoles presbytériennes, ont insisté pour que les femmes reçoivent une éducation, et la population chez les femmes est passée d'un tout petit pourcentage de personnes instruites. Et maintenant, c'était un pourcentage très élevé de femmes qui sont devenues professionnelles. Et de fait, c'est l'augmentation la plus forte de groupes instruits. Et le premier ministre est maintenant une femme indo-trinidadienne. Une chose qui se produit également, c'est qu'il y a la violence axée sur le sexe qui augmente. Alors, l'éducation, dans ce cas-ci, ce qui était important, c'est l'éducation chez les filles et non pas tellement chez les garçons. Et je me demande en Inde si ce n'est pas un des problèmes. On m'a dit, quelqu'un du CRDI m'a dit que, de fait, plus on fait partie d'une caste élevée, plus on est plus enclin à favoriser les garçons, l'éducation pour les garçons. Et pas tellement de changement, mais l'éducation chez les femmes pourrait mener à un changement. Alors, ma question, j'aimerais savoir quel est le rôle des femmes militantes, non seulement les femmes militantes, mais je pense aussi au Japon. Au Japon, et non pas... de projets très concrets. Mais il y a eu un changement très important au Japon depuis 20 ans. Le taux de mariage de jeunes femmes a chuté de 20 %. Il y a énormément de femmes qui ont maintenant un emploi, qui peuvent vivre de façon autonome, qui ne sont pas obligées de se marier, choisissent de ne pas le faire. C'est une forme de résistance. Et je me demande si cette résistance existe à un endroit comme l'Inde avec son modèle style patriarcal. Rob Robertson, c'était une très belle présentation. Je vous remercie beaucoup. Une petite question au sujet de la télé. Est-ce que la programmation, c'est de la télé occidentale qui vient changer les valeurs culturelles au Bangladesh ou est-ce que c'est des productions sur place? Est-ce qu'ils sont réalisés afin de changer la perspective qu'on a des femmes? Vous avez raison. Et je ne crois pas qu'on puisse se donner une explication générale. Lorsqu'on réfléchit au Bangladesh et à l'Inde, en Inde, nous savons que chez les minorités musulmanes, les ratios, les rapports de sexe sont plus favorables. Mais je pense qu'il y a deux volets à la religion qui se retrouve enchaînée en Inde, et je ne suis pas expert en religion, c'est une idée que je lance, et c'est le confucianisme et l'hindouisme qui exigent qu'un fils se charge des rites ancestrales et bon, de préparer la personne à la vie après la mort. Alors, c'est une idée que je lance. Je ne dis pas que j'ai raison, puisque faute de connaissances, mais ça m'a étonné de voir que c'est une des choses qui caractérise les deux grands blocs où cela se produit.
les ONG, je ne sais pas. Mais ce serait fascinant, non seulement au Kerala, mais au Bengale occidental et au Bangladesh, parce que c'est une comparaison intéressante et je pense que j'ai vous ai persuadé pour financer ce type de recherche. Lorsqu'on dit qu'on partage une culture au Bengale, les deux ont un héritage commun, mais c'est triste parce que le recensement de 2011 a révélé une chute de 10%. Vous savez, la situation s'est empirée de 10% et je pense que c'est la première fois que cela se produit. Pour ce qui est de l'éducation, nous savons il y a un travail qui a été fait en 1987 et plus récemment, les femmes les plus instruites en Inde sont les plus efficaces, donc manipulent donc le rapport garçon-fille. Cependant, il y a une chose qui s'est passée au Bangladesh, c'est comme vos missionnaires, le gouvernement du Bangladesh a accordé des bourses préférentielles aux filles pour qu'elles terminent leurs études secondaires. Et c'est une chose qui n'a pas changé très rapidement au Bangladesh, c'est l'âge du mariage, d'une question de sécurité, je crois. De toute évidence, l'éducation est importante et nous fait la différence. Alors, nous savons que l'alphabétisation et l'emploi aussi sont des facteurs qui contribuent à faire la différence. Mais lorsqu'on pense à ces femmes exceptionnelles dans la population d'un groupe qui, pour la plupart, à la maison et qui n'est pas instruit, je pense qu'il nous faut avoir cet écart. Il y a une chose intéressante. C'est qu'au Bangladesh, on a fait énormément de progrès en ce qui concerne les indicateurs NDG et pour la plupart, ça dépend de changements de comportement de l'eau potable, de l'eau propre, alors que ces idées-là, que ce soit par le biais des ONG ou non, ils n'ont pas à franchir cette barrière qu'est la caste. Et je crois que l'éducation est une partie de l'histoire, bien sûr, mais il faut que ce soit l'éducation générale pour tous. Et le programme d'études, lorsqu'on codifie différents volets de l'hindouisme, c'est le style brahmin. Ce n'est pas, ça n'accommode pas le changement très facilement. L'éducation, la qualité de l'éducation, les messages que transmet l'éducation. Nous faisons face, comme vous l'avez dit, à une tragédie qui n'est pas reconnue. Lorsqu'on est une fille dans une société où il en manque tellement, alors comment est-ce qu'on peut se sentir bien? Je ne vois pas l'option que l'option au Japon puisse s'appliquer à plusieurs personnes dans l'Asie du Sud-Est. L'idée de ne pas se marier pour les femmes au Bangladesh et en Inde. Il y a peut-être des femmes en région urbaine, mais ce n'est pas très une option. Pas encore. Les emplois n'existent pas pour leur permettre de le faire. Et en Corée du Sud, où la situation se dégradait jusqu'à la mi-90, ensuite, il y a eu un renversement. Je ne crois pas que nous avons compris les facteurs. Mais je sais que les médecins ne pouvaient plus, c'était illégal, les médecins ne pouvaient pratiquer des avortements sélectifs de fœtus de race féminine, mais personne ne se faisait arrêter. Alors, ça dépend du type de marché du travail. Il faut que les femmes gravissent les échelons quant à la profession. Il y a un mouvement assez actif de femmes et la démocratisation. Les femmes beaucoup plus actives, c'est ce qu'il faut. Mais jusqu'à ce qu'on étudie tous ces facteurs, de fait, c'est bien difficile, puisque on n'a pas défini de normes par rapport à la Corée du Sud. Quelles sont ces normes? Et la question sur la télé, ils ne regardent pas des émissions de télé de style occidental. La plupart ont le câble. Ils regardent des téléromans indiens et beaucoup d'émissions où on peut parler. Alors, parce que au Bengale, on aime parler, ils sont constamment là. À la télé, mon cousin est toujours là. Je vais à une petite ville de district, un café Internet, puis les gens me disent, à part, je vous ai vu à la télé.
Il y a beaucoup d'émissions à la télé, d'émissions causeries, mais lorsqu'on dit que les gens ont un long chemin à faire, long cheminement, là, il y a aussi de l'information qui est donnée. Mais en ce qui concerne la télé, c'est cette idée d'amour romantique. Vous savez, ça existe. C'est très populaire. Le mariage est perçu comme une amitié, un partenariat entre deux personnes, quelqu'un avec qui élever ses enfants. Et je dois dire qu'on utilisait moins les citations, mais il y a plusieurs femmes qui m'ont dit « mon mari voulait seulement des filles ». Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on pense toujours que c'est la mère qui veut des filles. Voilà, il y a énormément de facteurs. On voit les premiers ministres, femmes, chefs de l'opposition, femmes. Et bon, ça exige toute une étude afin de comprendre à fond. Le télé a permis aux femmes de... Donc, c'était comme une fenêtre sur un monde qui n'existait pas pour elles auparavant. Je m'appelle Adrienne Di Giovanni, je travaille au CRDI, au contentieux, et je fais bien les commentaires de Rob qui indique bien que les avocats pensent de la même façon. Mais j'avais une question semblable. Je me demandais si c'était l'influence occidentale, mais vous avez mentionné au moins trois facteurs externes qui menaient au changement d'attitude. En premier, c'est la télé, cette idée d'amour romantique. C'est très romantique, de fait. Et d'après moi, c'est un ensemble de valeurs ou de normes, des idées qui sont transmises de culture à l'extérieur. Vous avez mentionné les ONG et les donateurs de l'extérieur qui ont toute une vaste gamme d'obligations en vertu de droits de la personne. Et aussi cette question de mobilité ascendante. J'imagine que les gens veulent imiter les classes urbaines professionnelles. Et c'est peut-être attirant cette idée de ce que ça signifie d'être riche et sophistiqué. Évidemment, il y a des aspects positifs que je ne vais pas ignorer, puisque c'est comme si on disait que le verre est à moitié plein. Mais il me semble que c'est une notion occidentale ou est-ce que c'est de l'externe? Alors, voici ma question. Est-ce qu'il y a des compromis? Est-ce qu'il y a des volets négatifs? Et je ne vais pas généraliser, mais ça pourrait être plus individualiste ou un changement de valeur et de perception. Est-ce qu'il y a eu des compromis? Est-ce qu'il y a des volets négatifs ou seulement des positifs? Encore une fois, les personnes qui travaillent au droit de reproduction vous diront qu'il y a toute une industrie naissante et c'est une importation de l'Ouest, d'après moi. La consommation. On valorise beaucoup la consommation, mais pas tellement au niveau des villages, les régions urbaines, les petites villes. Dans la recherche qui se fera, je pense que les hommes et les garçons doivent y participer, puisqu'on a l'impression que les garçons sont laissés pour compte. Et il pourrait y avoir un ressentiment là. Même si je pense que la violence conjugale diminue, la violence commise contre les femmes où il y a des agressions sexuelles, peut-être que ça ne diminue pas et même ça pourrait augmenter. Alors, les facteurs qui contrôlaient la société, qui faisaient en sorte que la société était solide, le tout commence à s'effriter. La façon dont les ONG, parce qu'ils ont été dictés par la microfinance et leur vision de justice n'en fait pas partie de ces objectifs et c'est devenu bien axé sur les marchés. On va faire beaucoup d'argent, c'est l'entrepreneuriat, mais il n'y a rien qui va réunir les gens pour contester la corruption chez le gouvernement ou de chercher à participer à la politique. Je crois que ce sont les volets les plus négatifs.
Le Bangladesh n'est pas un bel endroit à plusieurs égards. Alors, je dois vous parler de mon sujet préféré. C'est la circulation. La modernisation apporte beaucoup de circulation. Et puis, il y a des autoroutes que l'on doit construire où les gens ne savent pas comment conduire, ne savent pas qu'il y a un code de la route. Et il y a des accidents sur la route. C'est absolument incroyable. Il y a de cela à peu près un mois, le cinéaste le plus prometteur est décédé lors d'un accident de voiture. Le tout se passe tellement rapidement, j'ai l'impression, parce qu'on a des dirigeants tellement inadéquats qu'on n'essaie pas de gérer le processus de sorte qu'il n'y a pas trop de gens qui sont laissés pour compte en cours de route. Trois autres questions. La présentation était excellente. Je viens du Bangladesh. Oui, je m'appelle Samina. J'ai travaillé à l'Université de Dhaka pendant 14-15 ans et je fais maintenant mon doctorat à l'Université Carleton. Il y a une chose qui m'a attirée, cette séance, c'est cette indifférence entre garçons-filles. Alors, ma recherche, mon domaine de recherche, on met l'accent sur le génie et la technologie, c'est-à-dire la haute technologie. Alors que nous voyons que les femmes sont sous-représentées dans ce secteur, nous voyons qu'il y a une augmentation dans les régions de l'Est. Mon exemple vient du Bangladesh. J'ai constaté lors de l'étude préliminaire que j'ai effectuée avec les étudiants en génie 850 qu'il y a cette neutralité entre garçons et filles. Les étudiants se disent non, ce n'est pas un secteur réservé aux hommes ou réservé aux femmes. Je me demande, puisque vous avez fait des études approfondies, aidez-moi à comprendre comment on conceptualise le sexe dans cette partie du monde. Cette notion de neutralité entre hommes et femmes par rapport à la technologie, non, en général. On a publié un rapport il y a deux mois environ. Il y a un écart, garçon-fille, par rapport aux deux politiques. C'était tellement faible, il y avait 4 ou 5 différentes dimensions. J'oublie le nom du rapport. Cette notion d'indifférence ou neutralité, garçon-fille, qui se répercute chez les médias, c'est que les médias jouent un rôle. L'éducation et le prestige du poste sont peut-être des facteurs sous-jacents. Je me demande, vous êtes spécialiste, aidez-moi à comprendre cela. Bonjour. Merci beaucoup, Naila. Je viens du CRDI. Il y a une chose qui m'a intriguée, et c'est la valeur du travail. J'ai trouvé cela intéressant que vous avez pu étudier différents niveaux de travail, travail officiel, semi-officiel, informel, pour essayer de comprendre pourquoi les choses changent pour les enfants et préférence pour les filles et les femmes. Vous avez mentionné, pas beaucoup, mais vous avez beaucoup, un peu parlé de migration. Et c'est une des choses qui distingue le Bangladesh se démarque de l'Inde à plusieurs égards, parce qu'il y a un pourcentage beaucoup plus élevé de migration pour le travail au Bangladesh qu'ailleurs. Et c'est un autre sujet du CRDI, sujet de recherche depuis quelques années, où on étudie la valeur du travail des femmes par le biais de la migration. Ça a été intéressant. Il y a des volets positifs et négatifs pour la femme elle-même, mais ça soulève le niveau de standard de la famille. Et je me demande si la recherche s'est penchée sur cette question. Que se passe-t-il lorsqu'il s'agit de la migration du travail des femmes et comment ça peut se rapporter à cette préférence pour les femmes ou cette neutralité, si vous voulez, parce que en ce moment,
Et dans plusieurs cas, non pas dans tous les cas, cela contribue au ménage. Et non pas nécessairement un ménage où c'est un mariage, mais ça peut être un ménage où il y a une femme qui habite seule. Ça peut être aussi une contribution à la dot. Est-ce que vous avez étudié cette question? Et dans l'affirmative, pouvez-vous nous donner plus de détails? Je suis ici avec une équipe du CRDI. Merci beaucoup de cette présentation très importante. Je ne dirais pas qu'elle est fascinante, mais c'est un sujet trop difficile pour le féliciter ainsi, mais c'est quand même très important et je vous remercie d'être venu nous parler de cela. Les données sont incroyablement importantes et en Inde, une des choses très puissantes, c'est qu'on montre des cartes où il y a des ratios négatifs qui sont indiqués en rouge. Et je suis convaincue qu'il y a bien des décideurs politiques en Inde qui n'acceptent pas ces statistiques, comme vous l'avez indiqué. Alors, ce sont des données bien claires avec des cartes. Et pour il est évident que le Bangladesh se tire mieux d'affaire au niveau macro. J'avais une question et une observation. La question, je ne comprends pas très bien comment vous voyez les deux en Inde et au Bangladesh, une augmentation accrue de la dot. Vous dites que cela change les relations sociales énormément. La différence, je crois, c'est qu'en Inde, la dot semble se rattacher au ratio plus péjoratif homme-femme. Et à la sous-évaluation de la femme. Enfin, je ne sais trop comment vous pouvez l'expliquer. Et mon observation au sujet de l'Inde et la religion, on sait à quel point il est dangereux de parler de religion. Je n'irai pas dans le détail, mais c'est important, en partie politiquement et en partie académiquement, parce que la discrimination des femmes par les musulmans en Europe sert d'excuse pour rendre la vie des immigrants en Europe tout à fait misérable. Et l'argument de la religion n'aide pas toujours non plus. Dans ce cas-ci, je crois qu'il faut être très prudent. Non pas parce que ce que l'on dit est vrai ou non, mais à cause de l'utilisation qu'on en fait. Dans le cas de l'Inde, je ne suis pas vraiment convaincue que la religion soit un facteur qui explique la situation. La raison étant que les grandes différences entre le nord et le sud de l'Inde, traditionnellement, en tout cas, bien sûr, les différences entre les ratios des sexes changent, mais dans le sud de l'Inde, il y avait plus d'hindous. Et ces pratiques n'existaient pas auparavant. Il y a beaucoup d'autres facteurs, oui, mais la religion entre le nord et le sud n'explique pas tout. Ensuite, dans le Punjab, ce n'est pas surtout hindou, mais je ne sais pas, je ne comprends pas très bien. On peut avoir tout un débat là-dessus, mais c'est l'utilisation que l'on fait, la politisation de la religion finalement. C'est là que je crois qu'il nous faut être très prudent à cet égard. Mais merci beaucoup de votre présentation. La neutralité entre les sexes et some of the changes that we're seeing, you know, and it's interesting the technology. Je pense que cela fait partie des changements qui surviennent maintenant. C'est intéressant avec la technologie car il n'y avait ce n'est pas un domaine dans lequel les hommes et les femmes travaillaient avant. C'est pour ça que c'est si bien le monde de l'informatique, des technologies de l'information. Il n'y a pas de précédent qui dit que c'est un domaine réservé aux hommes. Donc, il est possible pour les femmes de servir de téléphone cellulaire, etc. C'est peut-être cela, mais vous n'êtes pas d'accord. Ça va, ça va. What was the second one?
Quelle était la deuxième question encore? Ah, la migration. Non, nous n'avons pas étudié la migration de très près, mais je suppose tout d'un coup, bien des femmes viennent vers les villes pour se trouver du travail. Et cette mobilité est donc très importante dans l'ouverture de l'esprit, l'ouverture de nouvelles possibilités et de nouveaux revenus. Donc, il y a beaucoup de migration à l'étranger, mais vraiment, c'est un groupe qui n'a pas été vraiment étudié. On a fait un peu de recherche sur ces femmes, mais il est évident que les femmes qui migrent sont bien plus nombreuses que ce dont parle le gouvernement. Et ce pourrait être fascinant comme étude, car vous avez ces femmes qui quittent les villages pour aller vers toutes sortes de différents pays, bien souvent seules, à faire toutes sortes de travail qu'elles n'ont pas été entraînées à faire. Donc, on n'en sait vraiment pas assez là-dessus. Et une étude intéressante pourrait se pencher sur les différences des diverses migrations. Quelqu'un qui va en Arabie Saoudite, par exemple, une femme qui va en Malaisie, une femme qui va en Italie, hein, elles vont rapporter des valeurs bien différentes et ce serait fascinant d'en voir les résultats. Mais pour ce qui est de la préférence entre les sexes ou les garçons et les filles, non. Et la dot, la principale différence, c'est que la dot, enfin, jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, le transfert de la richesse était toujours, allait toujours du côté de la mariée. Et ça, c'est un phénomène maintenant qui est plutôt nouveau. Et je ne sais pas s'il est vraiment profondément enraciné, car nous avons fait notre travail un petit peu différemment entre l'Inde et le Bangladesh. Pour le Bangladesh, plusieurs parents et femmes ont dit, je sais que je vais avoir une dot, enfin la dot d'une part, si vous voulez marier votre fille est important, mais si votre fille est très belle, vous n'aurez peut-être pas payé de dot si elle est bien instruite, etc. Mais on parle beaucoup plus dans notre étude du paiement de dot. Mais une autre étude qui a été faite par des collègues au Bangladesh s'est rendue compte que la dot payée par les hindous et les musulmans est beaucoup plus élevée parce que son histoire date de plus longtemps. Et je ne veux pas aller dans le détail de la religion, mais je pense qu'une étude a été faite qui a étudier l'interaction entre la religion et les régions de l'Inde. Et dans l'ensemble, on dit que le facteur de la religion est encore important, peut-être à l'exception du Nord-Est ou quelque chose comme ça. Mais là encore, je comprends votre point. Je ne devrais probablement pas m'attarder là-dessus trop longtemps, les aspects religieux, parce que, en fait, ce ne sont pas les valeurs en soi, c'est la façon dont on s'organise, le mariage, ces choses-là. Et ça fait partie, justement, de cette structure patriarcale, comme on le voit en Chine, on l'a vu également aussi en dépit du socialisme au Vietnam. Donc, ensuite, les trois pays du Caucase qui, tout d'un coup, commencent à faire des avortements sélectifs, deux pays sont chrétiens, l'autre est musulman, l'Azerbaïdjan. L'Arménie et la Géorgie sont des pays chrétiens. Alors, ce n'est pas comme si une religion était responsable de la situation. Les Sikhs aussi sont impliqués là-dedans, dans ces pratiques. Mais je comprends ce que vous me dites. Et on a du temps encore pour une ou deux questions. Bonjour, je travaille ici aussi au CRDI. J'ai bien aimé votre présentation. Et je me demandais pourquoi il y a eu une augmentation de l'utilisation de la dot. Si il y en avait moins il y a 30-40 ans, quels sont les facteurs sociaux qui lui redonnent cette popularité? Et au sujet de ce que Rod a dit, le rôle des médias, je sais qu'en Inde,
Il y a beaucoup de productions de téléromans que les gens suivent. Moi, je regardais cela avec ma mère tout le temps. Et certains de ces romans savants sont très légers, mais d'autres touchent vraiment à des enjeux sociaux qui touchent les femmes. Et ça aussi, peut-être que cela provoque des changements dans certains domaines. La dot. Bien, d'une part, je ne pense pas que l'explication soit la même pour l'Inde et le Bangladesh. Ce qu'on dit, c'est que la dot est passée d'une caste à plusieurs autres castes. Et bon, on parle de sensibilisation, on dit que on parle des rôles anciens que les femmes jouaient dans l'agriculture qui s'érode et maintenant ce sont les hommes qui ont des emplois dans l'économie. Et au Bangladesh aussi, ça a commencé comme étant volontaire, ni plus ni moins, dans les classes plus instruites. Et si vous vouliez que votre fille marie un fonctionnaire, il fallait payer. Mais voilà que c'est devenu maintenant omniprésent. Et dans les années 70, on appelait ça une dot sur demande. Auparavant, c'était plus volontaire. Et dans les années 70, c'était une exigence. Et dans les villages du Bangladesh, on appelle cela dot sur demande. Et puis, il y a des gens qui vont dire c'est une demande ou une exigence. Alors, c'est parce qu'on exerce tellement de pression. Mais ceci étant dit, on en parle souvent lors de nos entrevues, etc., mais en même temps, il y a bien des gens qui disent « Oh non, c'est pas si grave, on n'a pas les moyens, on ne veut pas le faire, on n'en donnera pas. » Alors, je ne peux pas vous donner d'explications claires et précises, mais ce sont les facteurs qui sont en jeu. Et quand j'ai parlé à des travailleuses de l'industrie vestimentaire, plusieurs m'ont dit qu'elles s'étaient mariées par amour et dit « Oh non, mon mari ne demandera pas de dot parce que je suis la dot. » J'ai le pouvoir de faire de l'argent. Quelle belle note sur laquelle conclure. Surtout, comme on nous l'a rappelé, que c'est un sujet très important, même si c'est un sujet aussi parfois difficile. Vous nous avez aidé à réfléchir à ces attitudes sociales sous-jacentes, à ces changements qui surviennent avec le temps et de façon bien complexe que nous devons comprendre encore mieux. Alors, joignez-vous à moi pour remercier le professeur Naila.